Pour nous, la connaissance est indispensable. Reconnaître les bienfaits n'est pas impitoyable. Développement, maintenance, compétence. Renouvellement, pénitence ou sentence. Comme cet homme brave et qui décide de lâcher prise parce que son supérieur hiérarchique le méprise. Ses ordres deviennent tellement pénibles. Il est pris pour cible, c'est qu'il n'est plus crédible. Héritier d'une très grande famille aisée. Il n'a pas besoin de fournir les efforts pour être casé. Veut construire dans un monde où il sera visible. Entrepreneuriat et son mode de vie est possible. Vu qu'il est intelligent, il lui faut juste des gens pour l'aider dans son projet. Il a déjà de l'argent. Dans un concours de circonstances, il propose. Devant les faits accomplis, tout s'adhère à sa cause. Des démarches quand la mauvaise roue tourne. L'union et la force qui contourne ce qui détourne la pensée de l'homme de tous ses objectifs. Il sait que le bon travail est collectif, que la singularité en entreprise est négative. Évoluer dans la collaboration est positive. Il ajuste sa sagesse à son geste, desserre la laisse qui blesse et tombe juste. Il est loin d'être une peste pour ses compagnons. Il voit en lui un homme fort et plein d'opinions, prêt à franchir la ligne de tous les obstacles pour ensoleiller la dureté de tous les miracles. Dans la pensée de ses potes, il ne fait naître le doute. Savent qu'avec lui, ils se battent pour ce que ça coûte. Prendre la vie par les cornes, c'est réussir. Enfin, que la volonté de Dieu soit ainsi. Être généreux, c'est très bien. Avoir des idées, c'est aussi bien. Dans la vie d'aujourd'hui, on se soutient. L'union fait la force, on l'entretient. Généreux, c'est très bien. Avoir des idées, c'est aussi bien. Dans la vie d'aujourd'hui, on se soutient. L'union fait la force, on l'entretient. Donner un sens à sa vie, c'est prendre le contrôle. Maintenir le cap jusqu'au point de son rôle. En même temps, nos histoires simples sont dupliquées. Pour d'autres, je crois que c'est très compliqué. Sans la connaissance idéale, on se fait décapiter. Il sait qu'il leur faut un minimum de capacité. S'ils ne veulent finir dans la dégradation, appréhension, compréhension et adaptation sont des facteurs importants pour la réussite. C'est une chose que beaucoup d'entre nous suscitent. Il a comblé sa vie avec de la compassion. Son être refuse de subir à la dépression. Faire le bien, c'est offrir ce qu'il a de plus cher. Le partage, c'est la richesse d'esprit, mon cher. Garde le sourire qui transmet sa bonne humeur. Sais que tout demeure dans l'honneur du bonheur. Être généreux, c'est très bien. Avoir des idées, c'est aussi bien. Dans la vie d'aujourd'hui, on se soutient. L'union fait la force, on l'entretient.